ce qui était au départ un revêtement de plancher de qualité supérieure pour votre voiture. C'est transformé en produit encore plus performant pour la protection de l'intérieur et l'extérieur de votre véhicule. Ceci a donné naissance à des produits perfectionnés pour protéger votre maison et pour assurer la sécurité de vos animaux domestiques. Ensuite ont été créés les meilleurs produits pour sécuriser et protéger votre téléphone mobile. Chez WeatherTech, l'innovation ne s'arrête jamais. La protection ultime sur WeatherTech.ca. Vestidrac Développement, une entreprise 100% québécoise, contribue à développer des pilotes de course d'ici, partout en Amérique du Nord. Vestidrac Développement tient à remercier ses précieux partenaires. Silverwax, Rousseau Métal, Richard et compagnie, Volon Control, VP Racing Fuel et DL Performance, Globocam, Groupe Brière International, le Grand Prix de Trois-Rivières, Dumoulin Compétition, Permatex, Vestidrac.tv, Hypertech, Trois-Radio X et 91.9 Sport. Cet épisode de Festidrag.tv est une présentation de Rousseau Métal, Silver Wax, Prolon Control et Radio X. Bienvenue à Festidrag.tv. Cette semaine, Martin, tu es en compagnie d'une belle légende, là, à ce que je vois. Eh oui, Sarah, Ting Big du Nouveau-Mexique. Écoute, Sarah, on est sur la route 66, on continue notre road trip. La dernière fois qu'on était venu au Nouveau-Mexique, on n'avait pas eu le temps d'arrêter à cet emplacement-ci qui est le Russell Travel Center and Museum. C'est directement sur la route 66. Et écoute, au pied carré, là, je vais te dire une chose, il y a du stock, c'est incroyable. Écoute, clairement, tu fais toujours de belles trouvailles. D'ailleurs, je fais mes salutations à ta recherchiste personnelle. Cette semaine à l'émission, on aura le plaisir de faire un beau retour en arrière, vous allez le voir, entre autres avec les dragues du côté de Mont-Joli. On poursuit ton road trip en Arizona avec des courses de bateaux, rien de moins. On vous offre une belle exposition de Rat Rod et on s'offre aussi une autre chronique pour le position, Martin. On vous présente une entrevue que mon chum Didier Scrannon a fait dans le cadre des 24 heures de Daytona. Et on termine le tout en beauté, vous allez le voir, avec un décor qui est à couper le souffle. Et là-dessus, Sarah, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Yeah! Ting big baby! Ce segment vous est présenté par Drag BSL et Course Vibe. You gave me love, I did the drug. Were there for me, yet I had the nerve to run away. En compagnie de Donald Paquette de Val-Briand, avec son superbe Rat Car. Sérieusement, c'est une première pour toi parce que t'es habitué de faire des modifications de véhicules, mais là... C'est un fait au complet. C'est mon premier. On s'entend, là. Il n'y a pas de peinture, il n'y a rien. Non. La rouille, c'est de la route parce que de plus en plus, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des gens qui font des airbrush maintenant. Le véhicule est flambant neuf, mais font airbrush et on dirait que c'est vieux, c'est magané. Mais toi, c'est vraiment vrai, là. Oui, c'est vrai de vrai. Pas plus vrai que ça, là. Et là, pourquoi ça t'a passé dans l'idée d'avoir un rat car? C'est la mode ou c'est un goût personnel? Non, mais ça fait longtemps. Bien, je travaillais pas au Canada. Fait que là, ça fait 6 ans, c'est dans ma tête, t'sais. Fait que là, quand j'ai arrivé des pays, là, ben là, je l'ai construit. Mais
Ça m'a pas pris tant de temps que ça, là. Je fais ça. Tu l'as bâti, t'as trouvé. Toi, t'as fait le châssis au complet. Oui. T'as trouvé le body. Mais le body, il y a deux carrosseries. Ça, c'est un 1923. Ça, c'est un 1934. Ils ont trouvé où? Ah, ça, un Saint-Gabriel, puis un de Damkoui. Il m'a vendu ça. Ça, c'est Saint-Gabriel. Fait de A à Z, c'est vraiment un mutant. C'est des pièces d'un peu partout. Tu t'es fait un plan, puis on s'est dit, go, on s'essaye. Oui, c'est ça. C'est ça. Exactement. Motorisation? 406, pour ce que. Denis Langeau, tu as fait ton moteur? Oui, oui, exactement. Est-ce que tu voulais le faire pour la rue ou pour le drag? Parce qu'aujourd'hui, tu es dans un encadrement de drag, tout ça. Ouais. Mais est-ce que tu roules dans la rue avec? Non, non, non. Donc, c'est vraiment conçu pour le drag. Lui, il est conçu pour le drag. Moi, je l'ai vu. Il est plaqué au zoo. Regarde, j'ai des enjeux. Donc, ton véhicule est certifié, il y a le punch, il n'y a pas de problème, donc tout est A1. Ouais. C'est juste une apparence de bric-brac, mais c'est un véhicule sans coche. Artisanal 2016. Et voilà. Comment faire du nœud avec du vieux? Exact. Ce segment vous est présenté par les produits Rousseau Métal, distribués par Richard et compagnie. Après être partis de Fort Lauderdale, Karine et Martin ont fait un premier arrêt à Tallahassee. Ils ont ensuite fait un ravitaillement au Oasis Travel Center en Alabama. Voici un petit historique de ce centre de service. Jim de l'Arkansas et Karen du Nebraska se sont mariés au Missouri et ont fait l'acquisition d'une station-service en Alabama. Avec la mort soudaine de Jim, Karen a décidé de rendre hommage à son mari et de faire de cette entreprise un point d'arrêt incontournable. Elle a eu l'idée de faire un restaurant thématique, le Derailed Dinner, après avoir vu à la télévision un déraillement de train qui a détruit un restaurant. Karine et Martin poursuivent leur route et traversent le Mississippi et la Louisiane avant de s'arrêter pour la nuit au Texas. Après une bonne nuit de sommeil, ils poursuivent leur route et traversent le Nouveau-Mexique. Première destination, le fameux Russell's Travel Center. That's the morning light, that's all right, another restless night. Just dreaming about those things you do. Another restless night, another caused by you. Another restless night, another caused by you. Après le Nouveau-Mexique, ils sont en direction des montagnes de l'Arizona. Cette semaine à Festivac.tv, en direct de Cottonwood, en Arizona. Hot Rod Show, baby! Yeah! Well, life has nearly killed me. And my mind is putting me on the edge. Life has nearly killed me, and my mind is putting me on the edge. Though I can barely crawl, I've got to walk where these angels feed a tree. Darkness nearly drowned me. Sunlight alone, don't it burn my eyes? Darkness nearly drowned me. And the sunlight alone, don't it burn my eyes? This is a real big block. This valley is much too deep, and this mountain so very high. My cup is nearly empty. I got such a long, long way to go. My cup is nearly empty. I got such a long, long way to go. I got to lay down here and rest before I can take another step down that lonesome road. Darkness nearly drowned me. Sunlight burned my eyes. This valley is much too deep, and this mountain so very high. I gotta lay down and rest where I can take another step down this lonesome road. Well, my cup is nearly empty. I got such a long, long, long way to go.
tout pour le grand club. C'est comme ça que tu vis. T'es de ceux qui chialent, ceux qui charrient. T'écoutes juste les séries. On se donne salut. T'aimes pas les choses faites à moitié. La coupe, c'est ce que t'as toujours voulu. Mon seul célèbre. Cette chronique vous est présentée par les produits d'esthétique Silverwax et JF Launier de JF Customs, gagnant du Riddler Award en 2014. Salut la gang, c'est GF de JF Customs. Puis je suis avec mon petit bébé, le gagnant de Détroit. Et puis c'est vraiment mon char que j'apprécie le plus. Des chars de même, c'est tellement de haut de gamme que souvent on ne sait pas comment en prendre soin, pour dire. Avant, j'avais toujours pensé que, OK, tu achètes un produit au magasin, puis tu frottes ça un petit peu partout, puis tu as tout fait ta job. Le cuir, il vaut tellement cher, il faut vraiment en prendre soin. Le premier produit que je me sers, c'est le nettoyant pour cuir et vinyle. Après ça, je me sers du revitalisant pour le cuir. Mais vraiment, il faut que tu penses quasiment le cuir là, comme tes mains. Puis quand tu regardes tes mains, tu te dis, OK, bien avant de mettre de la crème à main, tu vas définitivement te laver les mains. Puis ce qui arrive, c'est que quand tu te laves les mains, ça rouvre les pores, puis après ça, la crème peut rentrer dedans, puis ça fait que tout est doux. C'est la même affaire avec mon intérieur. Il faut vraiment nettoyer, tout enlever la graisse, tout enlever qu'est-ce qui fait les taches. Après ça, on peut se servir du revitalisant. Après, le cuir devient hydraté, puis garde sa souplesse. Donc quand je rentre dedans, c'est toujours comme un char neuf. L'équipe de Tyler, c'est toute sa famille. C'est grand-maman, c'est grand-papa, c'est la blonde, c'est le maman, c'est le papa. C'est vraiment une petite équipe tricotée serrée. Tyler a été éliminé en première ronde. Par contre, son plus proche rival a lui aussi été éliminé dans la même ronde. Par conséquent, l'avance au classement reste, ce qui lui confère le championnat. Ladies and gentlemen, Tyler Spears! Reste avec nous tout de suite après la pause. Plus d'action, plus d'émotion à festidrag.tv. Yeah! De camion fait partie de la meilleure équipe de l'industrie. Globocam, c'est 6 adresses et 350 employés motivés. Entreprise dynamique et grandissante, viens vivre ta passion aux côtés d'experts. Formation en continu. On t'attend au globocam.ca. Les tourneaux, c'est les vrais en pneus et mécanique. Les tourneaux, une famille au service de la vôtre depuis plus de 25 ans. Tu es présentement confiné à ton garage?
tu prépares ton muscle car, ta moto, ton VTT ou ton bolide de course pour l'été, Hypertech a l'huile qu'il te faut. Les huiles Hypertech sont la référence dans le sport motorisé. Achetez local avec la fierté québécoise Hypertech. Ce segment vous est présenté par le magazine Pole Position. Aujourd'hui, dans le cadre de la chronique Pole Position sur festidrag.tv, on s'entretient avec Bruno Spengler. Nous sommes à Daytona dans le cadre des 24 heures. C'est sa cinquième présence ici. Lors de sa toute première, il avait réussi à terminer deuxième en catégorie GTLM. Il court en GT depuis qu'il a entrepris une carrière du côté spécialement du DTM, le Dutch Tourwagen Master du côté de l'Allemagne, là où il a été champion en 2012. Il a d'ailleurs l'année dernière passé toute la saison du côté de l'Amérique avec l'équipe Real. Il avait terminé deuxième à sa première visite en 2015. Il est de retour à Daytona pour un autre 24 heures. Québécois né en Alsace, on va essayer de démêler un petit peu tout ça. J'ai remarqué que sur ton casque, il y a une énorme fleur de lys. Ça a une signification particulière? Ah oui, c'est une signification parce que, bon, comme tu l'as dit, je suis né en Alsace, mais j'ai vécu toute mon enfance au Québec, au parc Omega avec mes parents. Donc c'est tout simplement pour ça, à Montebello. Donc à la base, j'ai vécu la plus grande partie de ma vie à Montebello, donc c'est pour ça que j'ai la fleur de lys sur mon casque. Et c'est aussi pour ça que je roule sous nationalité canadienne, parce que c'est là que je me sens à la maison. Sauf en hiver où il fait un petit peu trop froid. Ouais, la saison 2020 était plutôt bonne. C'était en fait ma deuxième saison en Amérique du Nord complète. Parce que j'avais fait le championnat Fran-Am en 2002 que j'avais gagné. Donc là, ça faisait vraiment du bien et très plaisir de retourner en Amérique du Nord pour une saison complète. Et j'ai appris beaucoup de circuits en fait, parce que moi, je connaissais juste Daytona et Sebring. Tous les autres circuits, je devais les apprendre dans un laps de temps assez restreint parce qu'on avait juste 2 heures d'essais libres en général, peut-être des fois 3 à partager à 2 voire 3 pilotes. Donc il fallait apprendre les circuits à chaque fois. C'était une mission plutôt compliquée mais très intéressante. J'ai appris des très beaux circuits, j'ai adoré Road America, j'ai adoré Road Atlanta. C'était vraiment des endroits très beaux. On a gagné la course de 6 heures de Road Atlanta, moi et Connor, mon coéquipier, Connor de Filippi. Et aussi, je suis très content parce que j'ai un très très bon coéquipier avec qui je m'entends très bien. On a passé une super saison tous les deux. On repart cette année pour les 4 courses d'endurance ensemble. Donc voilà, c'est très important aussi en endurance d'avoir un coéquipier sur qui on peut compter, un coéquipier rapide qui fait peu d'erreurs, et c'est le cas avec Connor, donc je suis très content sur ça. Et Sebring, on est passé à... C'est une course de 12 heures, Sebring. On est passé à 12 minutes de gagner la course. On était à 12 minutes de la fin, on était encore en tête. Malheureusement, au restart, une GTD est rentrée dans mon équipier Connor et nous a détruit la course et nous a cassé la victoire. Donc ça, c'était un coup dur à prendre parce qu'on a vraiment mené la course à partir de, je dirais, 2-3 heures de la fin, on était en tête, ou même 4 heures de la fin, on était en tête. Ça allait très très bien, on avait une très bonne voiture. Malheureusement, la course était cassée à cause de ça. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a été une bonne saison. Sans tomber nécessairement dans les détails, ça fonctionne comment? T'es un contractuel, t'es un pilote BMW et on te dicte dans quelle série tu dois courir? En fait, je suis pilote officiel BMW, pilote d'usine. Donc en tant que pilote d'usine, on doit être prêt à courir dans les catégories et faire les essais de développement dont BMW a besoin. Et donc c'est mon cas. Carrière exceptionnelle du côté de l'Europe tout particulièrement, où, je ne sais pas si vous le savez, Bruno Spengler est vraiment une super vedette. Les plus beaux souvenirs, justement, de ces 15 ans en DTM? Ah, j'ai beaucoup de bons souvenirs. Déjà, ma première victoire en 2006 au Nürburgring, qui ont suivi après sur les années d'après. J'ai gagné 5 fois sur ce circuit, en étant le seul recordman à gagner 5 fois sur ce circuit-là. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très spécial pour moi. Mon titre avec BMW en 2012 en DTM. J'ai eu deux titres de vice-champion, j'ai eu beaucoup de pole positions, de victoires. Donc j'ai beaucoup de bons souvenirs, mais ça, c'est, on va dire, c'est les trois vraiment qui restent gravés. Daytona, c'est une des plus grosses courses des 24 heures au monde. Quasiment tous les meilleurs pilotes au monde sont au rendez-vous sur ce circuit. Il y a énormément de voitures de catégories différentes en piste. Cette année, en plus, avec les LMP3, donc ça va rendre la chose très compliquée de survivre. Mais bon, c'est une grosse signification. Ça serait un rêve de gagner les 24 heures de Daytona, ça c'est sûr. And
À bord de leur BMW rouge, Bruno Spengler et son équipe n'ont pas eu le départ espéré. Conséquence de ce malheureux incident en début de course, Bruno et son équipe se sont vus décerner une pénalité, ce qui leur a fait perdre quelques tours. Mais avec du travail acharné durant toute la course, ils ont réussi à remonter dans le tour du meneur. Ils ont finalement terminé en 5e position de leur catégorie. Silverwax, des produits esthétiques de haute qualité pour vos autos, motos, véhicules nautiques et VR. Faites briller et protégez vos véhicules personnels, de compagnie ou de compétition avec Silverwax. Magasinage en ligne au silverwax.ca. Du simple produit jusqu'à l'élaboration d'un projet, l'équipe de Richard et compagnie est en mesure de vous accompagner tout au long de ce processus. Nés au Québec, nous nous sommes fièrement associés à des manufacturiers québécois de grande renommée afin de vous offrir une vaste gamme de produits accessibles et de grande qualité. Laissez-vous convaincre et venez visiter notre salle de montre Richard et compagnie pour un environnement de travail organisé et à votre image. Cette chronique vous est présentée par WeatherTech.ca. Cette semaine à la chronique WeatherTech, on parle déflecteurs latéraux. Et c'est pas juste esthétique, c'est vraiment pratique. Et il y a plusieurs utilités en compagnie d'André Beauchamp de WeatherTech Canada. André, explique-nous les différentes applications pour les déflecteurs latéraux. Salut Martin. Oui, effectivement, et c'est un produit qui est un peu oublié chez WeatherTech. Tout le monde parle toujours des tapis, mais les déflecteurs latéraux est une belle gamme chez nous. Okay? C'est une fabrication allemande, soit dit en passant, fait à la main. Okay? Donc, c'est un produit qui est quand même de haute qualité. Et l'avantage au niveau esthétique, si on commence avec ça, c'est qu'il est conçu pour être à l'intérieur du channel de la fenêtre, au lieu d'être à l'extérieur et d'être collé à l'extérieur. Okay? Donc, ce qui fait vraiment un fini d'origine pour votre véhicule. Aussi, tu sais, entre les deux saisons, tu ne veux pas partir l'air climatisé, il pleut, tu veux ouvrir tes fenêtres. Mais à ce moment-là, si tu n'as pas de déflecteur, tu vas te ramasser avec soit la pluie à l'intérieur ou trop de vent. Alors, c'est un bel avantage par rapport à ça. Et également, lors des pluies, ça, c'est mine de rien, ça repousse l'eau. Okay? Donc, ça te permet d'avoir une meilleure visibilité latérale avec ton véhicule. Il y a différents modèles qui sont disponibles pour la majorité des véhicules et également au niveau de la densité, au niveau du fumé, autrement dit, on a différentes options également de disponibles sur notre site WeatherTech. Alors, merci André, très apprécié. Alors, vous pouvez retrouver ce produit et les produits WeatherTech sur WeatherTech.ca et sur WeatherTech.ca, on a un localisateur de distributeur des produits pour le Québec. Soit par votre code postal ou bien encore par la ville avec la virgule QC pour la province de Québec, vous allez voir les différents distributeurs de disponibles pour les produits WeatherTech. Cette semaine, on est du côté de l'Arizona pour notre road trip du côté de Cottonwood. On est un peu au nord, au centre-nord de l'État de l'Arizona. Sedona, on a vécu de belles choses, moi et Karine. Vous savez, bon, ça fait des années qu'on était ensemble et Karine, elle était plutôt plein air et moi, vous le savez, côté motorisation, c'est pas mal ça mon trip. Mais elle m'a fait vivre des choses, elle m'a sorti de ma zone de confort et on est allé faire des excursions. Écoutez, même qu'on a fait de l'escalade, c'est assez incroyable. Alors, pour la première fois en 8 ans à festival.tv, on vous présente un petit clip. Martin Danjou en dehors de sa zone de confort pour vous, maintenant, à festival.tv, de la randonnée puis de l'escalade. Faites du bruit. Even all the darkest nights I know the sun will rise. I will trust the promise I cannot see with my eyes. Even when the clouds surround, I know the sun still shines. But when will it break through? Jesus, I need you. Regardez la gang. On s'en va là. Alors on se dit à tantôt. Si Dieu le veut. Allez, wow! Regardez ça la gang, on s'en va dans le crack. Salut!
m'aimer vraiment. Gang, je pense que même si on vous l'expliquerait, il y a des choses dans la vie que tu peux pas expliquer. Faut que tu le vives. God bless America! Mais tu parles d'une belle manière de conclure cet épisode de Festidrag.tv. Vraiment, c'était magnifique. La semaine prochaine, Martin, bien, on poursuit du côté de Las Vegas. Et oui, Sarah, la semaine prochaine, beaucoup de choses à vous présenter. Et là-dessus, Sarah, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Bonne semaine, la gang! Yeah! Festidrag.tv vous a été présenté par Rousseau Metal, Silver Wax, Prolong Control et Radio X. Motorisé de la capitale, avec son département de services VR Pro, vous présente cette chronique informative. La destination VR au Québec, c'est Motorisé de la capitale. Pour achat, réparation ou entretien, mdlc.ca. La dernière chose que l'on souhaite en plein milieu de la saison de camping, c'est que quelque chose ne tourne pas rond avec votre VR. Les réparations importantes peuvent représenter des frais imprévus et vous priver des vacances bien méritées. Évidemment, avec l'usure, tout matériel est exposé au bris. Bien que ce soit des situations inévitables, elles peuvent être moins pénibles si vous possédez une extension de garantie pour votre véhicule récréatif. Une garantie prolongée pour VR est essentiellement un moyen de vous protéger contre une dépense imprévue en cas de défaillance. Vos dépenses se limitent généralement à une franchise que vous déterminez au moment de l'achat de la garantie. L'achat de garantie prolongée est entièrement à votre choix. Lorsque vous achetez une garantie de véhicule récréatif, vous achetez la tranquillité d'esprit. Pour la prise de rendez-vous pour l'entretien ou la réparation de votre VR, faites affaire avec VR Pro chez Motorisé de la Capitale, mdlc.ca. Bonjour, je m'appelle Éric Renaud, nouveau marchand propriétaire au Provigo, le marché de Charlebourg. Je vous présente en images différents départements de mon magasin. Tout-terrain Argo PG en compagnie du copropriétaire Patrick Gauthier et aussi mécanicien, on peut-tu dire que c'est ça? Oui. Oui? Fait que c'est toi qui t'occupes de te mettre les mains dedans. Mécanicien, vendeur puis propriétaire. Tu fais tout. Oui. T'es un ancien militaire aussi. Cette bête-là, là, toi, tu trouves-tu que ça a des parentés avec d'autres véhicules que t'as connus? Ça s'apparente à un léopard, un char d'assaut ou un bulldozer, dans le fond. Quelles sont les adaptations possibles? Bien, sur cette machine-là, on peut avoir winch en avant, winch en arrière, support de moteur à bateau ajustable qu'on peut mettre tout dépendant si on a un pied court ou un pied long. Wow. On a fait pour des clients des marches dépliables pour entailler. Ils ont 12 pieds de long. Oui. On a des racks qu'on peut mettre à l'intérieur pour dérouler les mains pour les tuyaux. Après ça, la chasse à la pêche, on a winch en avant, winch en arrière pour tirer notre gibier. Ce qui est du bois, on peut adapter une winch avec un treuil forestier pour sortir du bois. OK. Puis au niveau du moteur en tant que tel, qu'est-ce qu'un client va rechercher? Puis c'est quoi mes possibilités? Ça dépend trop qu'est-ce qu'on fait. Si c'est de la plaisance, le petit moteur ne changera pas grand-chose. Si on va dans de la chasse, de la pêche ou au véhicule forestier pour tirer du bois, on est mieux d'aller avec un 33 ou un 40 force, avec une transmission high torque. Il va être un petit peu moins rapide, mais beaucoup plus fort. On est tous pareils. La première affaire qu'on veut faire, c'est aller se promener dans la boîte. Qu'est-ce que je peux considérer avoir à faire comme entretien sur un véhicule comme ça? Moi, je dis à tout le monde, 80 % de l'entretien de ces machines-là, c'est de la manière qui est entreposée. Si on le laisse avec de l'eau à l'intérieur, parce que c'est comme une chaloupe, oui.
ça flotte. Fait que si l'eau rentre dedans, l'eau reste dedans. Les chaînes et les bearings, ça ne vire pas dans l'eau, ça se nettoie. Fait que 80 % de l'entretien, c'est de la manière qu'on l'entrepose. Si on va à l'eau, il faut vider l'eau de dedans. Puis après ça, bien, périodiquement, on a des chaînes à graisser puis des bearings. Toi, tu as un argot. Tu avais un argot bien avant d'être propriétaire d'un concessionnaire d'argot. Tu dirais que c'est quoi le détail qui fait toute la différence? C'est-tu les tailleurs? Là, tu m'as parlé de l'entretien. C'est quoi la petite délicatesse qui fait que tu profites encore plus de ta ride? De la manière qu'on le conduit. Plus que le chauffeur va s'habituer à sa machine, moins qu'il va brosser ses occupants puis moins il va se brosser lui-même. Visitez les toutterrainargotpg.com. Tu aimes ton muscle car, ta moto, ton VTT, ta motoneige ou ton bolide de course? Hypertech a l'huile qu'il te faut. Les huiles Hypertech sont la référence dans le sport motorisé. Achetez local avec la fierté québécoise Hypertech. Expérimentez l'excellence. Les tourneaux, c'est les vrais en pneus et mécanique. Les tourneaux, une famille au service de la vôtre depuis plus de 25 ans. Live. Il faut se serrer les coudes. DH en 90 minutes. On est proche des gens. Filion. Vive Radio X, très belle antenne. On est privilégiés d'être là. Gravel dans le retour. On va finir par passer à travers à un moment donné. Nous sommes avec vous. Nous sommes Radio X. Du simple produit jusqu'à l'élaboration d'un projet, l'équipe de Richard et compagnie est en mesure de vous accompagner tout au long de ce processus. Nés au Québec, nous nous sommes fièrement associés à des manufacturiers québécois de grande renommée afin de vous offrir une vaste gamme de produits accessibles et de grande qualité. Laissez-vous convaincre et venez visiter notre salle de montre, Richard et compagnie, pour un environnement de travail organisé et à votre image. T'es prêt à tout pour le grand club? C'est comme ça que tu vis. T'es de ceux qui chialent, ceux qui charrient. T'écoutes juste les séries. On se donne salut. T'aimes pas les choses faites à moitié. La coupe, c'est ce que t'as toujours voulu.